Le BIM SIM est pour nous une des pièces maîtresses de notre stratégie d'innovation. Le CSTB est à nos côtés pour nous accompagner dans cette démarche d'innovation que nous voulons tant sur la partie conception que sur la partie usage des projets que nous développons sur ce territoire. Le travail que nous avons mené depuis 2015 avec le CSTB nous a d'ores et déjà permis de pouvoir optimiser des coûts de construction sur nos projets grâce aux maquettes BIM SIM que nous avons développées. L'enjeu pour Epaminde maintenant, c'est de pouvoir passer à l'étape supérieure, à aller aussi sur le travail de l'optimisation des coûts de gestion, pour pouvoir avoir une chaîne complète d'optimisation depuis les coûts de construction jusqu'à la phase d'exploitation d'un projet. L'ambition que nous sommes fixés avec le CSTB désormais, c'est de pouvoir mener l'instruction d'un permis de construire de A à Z grâce au BIM. Tout d'abord, le BIM doit nous permettre une meilleure fiabilité de la conception du projet. Il doit ensuite nous permettre une meilleure compréhension du projet par les services instructeurs et un délai optimisé au niveau du temps d'instruction des permis de construire et donc pour nous, bien entendu, le temps nécessaire à son obtention et au développement physique de l'opération. La nature en ville est un des enjeux fondamentaux de l'établissement public. Le checker BIM Biodiversité que nous allons développer avec le CSTB va nous permettre une véritable aide à la décision sur un projet. Il va nous permettre de mesurer l'impact de la construction sur la biodiversité à l'échelle de la parcelle pour nous permettre de suivre depuis la phase conception jusqu'à l'exécution la tenue des performances environnementales souhaitées par l'établissement public sur un projet. L'enjeu sur le projet Descartes, c'est d'avoir vraiment une expérimentation performante du BIM SIM en développant un socle numérique avec une contextualisation urbaine sans précédent. Ce socle numérique, associé au checker BIM Biodiversité et associé à l'outil de modélisation de gestion, va nous permettre de pouvoir appréhender l'ensemble des contraintes économiques, techniques et d'usage du projet urbain. Pour nous, le BIM SIM, c'est un déclencheur d'innovation. C'est une manière de mieux appréhender une meilleure conception de nos projets, une meilleure efficacité opérationnelle et de pouvoir mieux simuler les gestions futures de nos opérations.